pas la petite fée. Quelle surprise veux-tu nous montrer? Tadam! Waouh, mais quelle fête! Mais qu'est-ce que vous célébrez, Martine, aujourd'hui? Oh, eh bien, on célèbre l'arrivée de mes deux petits frères. Regarde comme ils sont mignons. Waouh, wow, mais ils sont identiques. Eh bien oui, ce sont des jumeaux. C'est pour ça qu'ils se ressemblent beaucoup. Et alors, comment est-ce qu'ils s'appellent? Vous leur avez donné des noms? Non, non, pas encore. Bon, on le sait, nous, mais c'est un secret, c'est une surprise. On le dira tout à l'heure. Ah, super, très bien. Et alors, Pin et Pon, comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle? Oh, ça dépend, c'est un peu difficile parfois. Alors, Pin, Pon, comment est-ce que vous allez? Vous êtes content d'avoir deux petits frères? Non, baguette magique, ça va pas du tout, je veux pas de petits frères. Oh, ça va, Pon, ne t'inquiète pas. Mais c'est bien aussi d'être grand frère, Pon. Oui, mais je voulais être le plus petit, moi. C'était moi le plus petit avant, et maintenant ils m'ont pris ma place. Je suis pas content du tout. Allez, ne t'inquiète pas, tu verras, être un grand frère, c'est génial aussi. Oh, on sonne à la porte, mon loulou. Allez, viens, toutou, viens. Oh, ce sont Peppa et Georges. Bonjour tout le monde. Oh, c'est lourd, Peppa. Oh, et oui, c'est parce qu'ils sont deux, alors c'est beaucoup plus lourd. Arrête de te plaindre, Georges, je n'ai pas si lourd que ça. Comment est-ce que ça va? Je suis contente d'être ici. Oh, merci, Peppa, merci, Georges, d'être venu à la fête. Mais je serais forcément venue, j'aurais pas pu rater cette fête, voyons, pour rien au monde. Alors, où sont-ils? Oh, ils sont trop mignons. Je ne peux pas croire qu'il soit né avec autant de cheveux. Oh là là. Martine, dedans il y a un cadeau pour les jumeaux. On l'ouvre maintenant? Oh non, non, Georges. Il faut attendre, tu sais, on attend encore beaucoup d'invités. Il y a nos amis qui vont venir. Il y a aussi grand-mère Chloé, grand-père Paco. Et même les maîtresses. Les maîtresses Yolande et Laura vont sûrement venir aussi. Je suis vraiment contente que tout le monde soit là. Merci à tous. Wouh! Oh, il va y avoir beaucoup de monde alors. Bonjour les enfants. Bonjour Georges. Bonjour Peppa. Comment allez-vous? Oh, bonjour Maria. Vous êtes magnifique. Vraiment radieuse. Oh, merci. C'est très gentil. Je suis très contente d'avoir mes bébés. Même s'ils ne me laissent pas beaucoup dormir la nuit. Oh, pourtant, ils ont l'air vraiment tranquilles. Oh, oh. Et oui, c'est ce que tu crois. Là est le piège, justement. Oh, mon cher Paco, j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Eh bien oui, c'est marrant que tu dis ça, Chloé. Moi aussi, j'ai cette sensation. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, j'ai trouvé. Oh, le cadeau des enfants. Mais enfin, tu as un cadeau dans la main, ce n'est pas celui-là. Non, 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 non. Celui-là, c'est pour ma chérie, ma petite Maria. Et oui, elle a quand même accouché de deux bébés. Il faut bien un cadeau pour elle aussi. Tu l'as oublié dans la voiture, je crois. Oh oui, j'arrive tout de suite, mon amour. J'arrive, j'y vais. Oui, mamie, bonjour mamie. Wouhou, grand-mère Chloé, bonjour. Oh, bonjour mes amours. Non, 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 non. Aïe, grand-mère, tu m'as encore fait tomber. Oh, tes bisous sont vraiment rigolos, grand-mère. Oh, ma fille, qu'est-ce que tu me ferais? Et c'est pour nous ce cadeau, grand-mère? Oh, non, 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 c'est pour votre maman qui a eu deux nouveaux bébés. Je vais lui donner, d'accord? Ah, oh, tu as raison, Pon, il n'y a plus personne qui s'occupe de nous. Des cadeaux pour les bébés, des cadeaux pour maman, des cadeaux pour les bébés, des cadeaux pour les bébés, des cadeaux pour les jumeaux, des cadeaux... Oh, personne s'occupe de nous maintenant. Voilà, voilà, le cadeau pour les bébés arrive, voilà, voilà. Ah, bonjour, bonjour grand-père. Eh, c'est magnifique. Oh, 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 merci mon grand. Alors, comment est-ce que tu vas? Oh, dis donc, félicitations pour les bébés. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient avoir tant de cheveux, je sais, c'est incroyable. Eh, la poussette est superbe. Oui, merci, on a pris la même que Pin et Pon, tu sais. Oh, je ne sais pas si ça va leur faire plaisir à ces deux-là. Oh, regarde, Pin, tu as vu? Ils ont fait la même poussette que nous pour les jumeaux. Oh, vraiment, pourquoi la même que nous? N'importe quoi. Eh, hey, Peppa, Georges, je peux ouvrir ce paquet pour mes petits frères? Oui, bien sûr, Martine. Très bien, alors on y va. Voyons voir. Oh là là, plein de couleurs. Oh, waouh, super, vous êtes vraiment très, très, très contents. Maman, 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 viens voir ce que Georges et Peppa ont offert. Waouh, un biberon, plein de petits jouets pour la dinette, de la glace. Oh, il y a plein d'autres choses. Une petite gourde pour donner de l'eau, une clé. Qu'est-ce qu'on a? Un train. Waouh, le même que Pon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit ours, et ça, c'est le même que Pin. Il est vraiment joli, je l'adore cet ours.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit téléphone et... Waouh, vraiment, merci beaucoup, ils vont être contents, merci. Merci beaucoup pour eux, Peppa, merci vraiment. Oh, Peppa, Georges, les cadeaux sont vraiment géniaux. Oh, vous direz bien sûr merci à vos parents, hein. D'accord, Maria, d'accord, je leur dirai, merci à vous. Oh là là, tu as vu tous les cadeaux qu'ils ont eus, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment jalouse, je suis pas contente. Oh oui, en plus ils ont eu un train tout comme moi. Oh, et oui, et le même ours que moi, je le veux, c'est mon ours. Oh regarde, regarde Martine, les autres invités arrivent, il y a même Paola et son petit frère Rodrigue. Bonjour les filles, bonjour tout le monde, ça va? Je suis contente d'avoir été invitée. Bonjour Paola, oh ça nous fait plaisir à nous, on a ramené un cadeau pour les jumeaux tu sais. C'est vrai, un cadeau, oh c'est vraiment gentil. Et oui, on a ramené un cadeau, un beau cadeau. C'est vrai, il est dans ce gros paquet là. Waouh, mais alors vas-y ouvre-le. Oh, c'est que ça pèse un petit peu lourd. Et puis ça fait du bruit. Oh non, j'ai pas envie de l'ouvrir moi, ça me fait un peu peur. Je vais le faire, Peppa. Alors faites voir, qu'est-ce que vous avez bien pu mettre à l'intérieur de ce paquet? Alors, voyons. Oh mais, qu'est-ce que vous avez mis? Vous êtes fous. Vous n'allez quand même pas offrir Shaggy à mes petits frères. Oh, eh bien, si en fait, ma mère, eh bien, elle n'en veut plus du chien, tu sais. Comment ça, elle n'en veut plus? Un chien, il faut y faire attention toute sa vie. Oui, je sais, c'est une blague. Dis donc, Martine, tu t'es déjà rendu compte qu'on avait les cheveux de la même couleur? Ben oui, j'avais vu. Et mon frère, Pon, il les a aussi de la même couleur que nous, regarde. Eh, bonjour, Pin, bonjour, Pon, comment est-ce que vous allez? Oh, ben on s'ennuie ici, tout seul, voilà. Oh, vous vous ennuyez, mais pourquoi? Oh, parce que tout le monde amène des cadeaux à nos petits frères, mais nous, rien du tout, tu sais. Oh oui, c'est un peu embêtant parfois d'être grand frère, hein. Et dis-moi, tes cheveux, ils sont vraiment beaux. Je vais les avoir comme ça aussi quand je serai plus grand, moi. Je sais pas, ça dépend, en tout cas, on a la même couleur. Mais tes frères, eux, apparemment, ils ont les mêmes cheveux que moi, hein. T'as vu, ils sont vraiment rigolos, hein. Oh, t'as entendu ça? Super rigolo, super beau, gna 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 gna. Oh, je suis vraiment pas content, super gna gna. Oh oui, t'as raison, ils sont parfaits, ces petits bébés, gna gna gna. Oh, je suis pas contente du tout. Si on pleurait un petit peu. Ping, pas un enfant, ça suffit, voyons. Avec le bruit que vous faites, vous allez réveiller les bébés. Oh, avec le temps qu'on a passé à les endormir. Oh, regardez comme ils sont mignons, mes tout petits. Oh, mes petits anges. Oh, ils sont choux. On se fait même gronder quand on est triste. Oh, viens, Ping, on s'en va, on va faire un tour. Moi, j'en ai assez d'être ici. Allez, on s'en va, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe, Pin et Pon? Je vous ai entendu pleurer. Vous êtes triste? Oh, c'est parce que personne s'occupe de nous, baguette magique. Plus personne ne nous aime. Enfin, non, c'est complètement faux, Pon. Ne dis pas ça. C'est sûr que c'est un peu difficile parfois d'être grand frère et grande sœur, mais tout le monde vous aime autant qu'avant. Ne t'inquiète pas. Non, c'est pas vrai. Les bébés, ils sont super beaux. Ils sont super. Ils sont super. Oh, j'ai une idée. Vous voulez être super pour de vrai? Bien sûr que oui, on veut. Je crois que je sais ce qu'il vous faut. C'est vrai, Fraise la petite fée, tu saurais quoi faire pour nous? Bien sûr, je crois que j'ai une idée. Oui. Mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous voulez que je fasse un peu de magie? Oui, de la magie, s'il te plaît. Très bien. Attention. Abracadabra, moustache de chat, que Fraise la petite fée ramène à Pin et à Pon une surprise. Et tadam! Et voilà, vous êtes transformés en super bébé. Waouh, Pin, c'est vrai, t'es un super bébé. Oh, t'es trop belle. Oh, toi aussi. Et t'as même les mêmes cheveux que Rodrigue. Waouh, avec une houppette. Waouh, merci baguette magique. Et alors, on a quoi comme pouvoir? Oh, vous avez plein de pouvoirs. Vous avez le pouvoir d'être invisible, par exemple, le pouvoir de voler. Mais souvenez-vous, tout ce que vous faites, vous devez le faire pour le bien, d'accord? N'oubliez pas. Allez, à tout à l'heure. Amusez-vous bien, les enfants. Silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Voilà. Nous voulions simplement vous remercier tous, vraiment du fond du cœur, d'être venus à cette fête pour célébrer la naissance de nos bébés.
Nous voulons partager avec vous le prénom des bébés, donc nous allons le donner bientôt, d'accord? Est-ce que ça vous dit? Oh oui, oui! Et comment allez-vous les appeler? Manuel et José? Manuel et José? Mais enfin, grand-mère, non, ils vont pas les appeler comme ça. Comment voulez-vous qu'ils s'appellent comme ça? Eh bien, en leur donnant le prénom! Non, non, nous n'allons pas les appeler Manuel et José, nous allons les appeler... Sipi et Sapé. Oh, c'est vraiment les prénoms très rigolos! Mais alors, qui est Sipi, qui est Sapé? Eh bien, maman, c'est très facile. Là, c'est Sipi et là, c'est Sapé. Oh non, non, Maria, tu t'es trompée. Là, c'est Sipi et là, c'est Sapé. Non, enfin, Mario, c'est toi qui te trompes. Là, c'est Sipi et là, c'est Sapé. Bon, enfin, bref, c'est Sipi et Sapé, quoi. D'accord, d'accord. Ah, quelle aventure encore! J'espère que ça vous a plu, les enfants. Nous connaissons le prénom des enfants, Sipi et Sapé. Et nous avons aussi Pinipon, qui sont de super bébés maintenant. Et vous pouvez laisser en commentaire les bêtises que vous voulez que fassent Pin et Pon, d'accord? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime à cette vidéo. À bientôt! Les enfants, si vous voulez que je vous fasse un petit coucou dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous avec votre prénom, d'accord? Mais pour cela, il faut que vous demandiez à vos parents de vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. À bientôt et gros bisous!